Tu sais c'est quoi ça? Une canette de coca. Allez vas-y, tu secoues. Je secoue la canette? T'as le droit. Et ici c'est la magie, t'as le droit de le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, elle est fraîche. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on a le droit de, normalement de... C'est une vraie? Eh oui, c'est une vraie. Ouais. Et ça va peut-être... Enfin, d'accord. Normalement, 6 jours, il se passe quoi? Bah ça pète. Donc le mieux c'est de l'ouvrir face vers toi. Non, non. Allez, on secoue, on secoue, on secoue. Allez. Il y en a vraiment dedans. Ben oui, oui, je vais te montrer quelque chose. Je vais enlever mon tapis pour pas mouiller. Et attention. Ok, ah, c'est bien secoué, ouais, ouais. Elle est bien tendue, là. Ouais, elle est bien... Alors, tu es d'accord avec moi qu'il y a plein de bulles qui sont bien écartées, là, comme ça, qu'ils ont envie de sortir et s'échapper. Non. Si tu ouvres, comme c'est une vraie canette de coca, ça explose. Bah ben oui, normalement. Eh ben, regarde bien comment j'ai décidé de les faire partir, ces bulles. Trois tours comme ça. Trois tours comme ceci. Donc là, j'enlève les bulles. D'accord. Bon, je peux pas t'expliquer les formules que je dis dans ma tête, mais c'est comme ça. Et là, normalement, les bulles, il y en a plus. Donc le coca n'a plus de goût. Le coca, non, les bulles, disons, ils sont plus en pression. D'accord, d'accord. Le coca, il y est toujours. Ils sont redescendus. Le goût, c'est toujours le même. Mais les bulles qui étaient sous pression ont disparu. On va ouvrir. Ouais. Bizarre, non? Et là, maintenant, on peut le boire. Carrément. Santé, Médic. Merci.